Salut, c'est Harley, qu'on se retrouve sur Overlord Raising Hell. Alors aujourd'hui, on va essayer de réparer la tour, et pour ce faire, il nous faut une grue. Donc on va aller chercher la grue. C'est notre mission principale. Alors on va mettre d'abord 2-3 coups pour le plaisir au bouffon. Voilà. Allez, relève-toi. Oui, sauveur, 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 sauveur. Bon, alors voilà. Alors, on active l'orbe de tour et on va aller on va d'abord voir les quêtes. Donc trouver une grue pour rénover la tour. Hop. Et on va se téléporter à 12 collines. Alors, tuant les moutons, on a récupéré de l'énergie pour pouvoir évoquer des larbins plus tard si besoin. À ma limite de larbin est toujours de 10. Bon, ça, hop. On va les faire s'équiper de ce qu'ils trouvent là-dedans. Voilà, c'est mieux. Et on va continuer vers 12 collines. Alors, on va aller par ici. Comme on peut le voir, la ferme de l'eau de Zazen est toujours cassée. Là, il y a des tonneaux. Hop, allez. On casse, on casse, on casse. Alors, on va y barber. Casser le pot ici au-dessus. Prendre le matériel qu'il y a dedans. Voilà. Allez, go. Ah, il n'y avait que dalle dedans. Allez, on y retourne. Il en reste 2-3 là. Ouais, bah, il n'y avait rien. Tant pis. Un coup pour rien. C'est rien, c'est rien. En parlant, on ne s'est pas passé. On va continuer par là. Maintenant, j'ai accès au sort boule de feu. Boule de feu, boule de feu. Ouais, c'est ici. Donc ici, moi, ma touche FE me sert à choisir le sort. Ça, c'est pour les... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment est-ce que je fais pour les sorts? Bon, c'est pas encore. Je verrai bien après. J'ai peut-être pas encore accès. Bon, on verra. Alors ici, il faut 10 larbins pour bouger. Ouais, ça c'est raccourci, d'accord. Bon, on va bouger le pilier. Ce qui devrait donner accès au village d'abondance, peut-être. Alphelin, on approche, attention! Mais ce ne sont pas des alphelins. Regarde celui avec le casque. Ça pourrait être deux alphelins dans une armure. Ouais. Je crois bien que c'est ça. Je déteste ces sales petites bestioles. Tu as peut-être raison. Prouvez que vous n'êtes pas des alphelins. Allez libérer nos hommes enfermés dans les camps. Bah oui, j'ai que ça à foutre, voyons. Si vous en êtes, ne bougez pas pour que je puisse vous viser. Le seigneur d'abondance parti, nous sommes les derniers défenseurs. Ouais, bah. Si on les laisse rentrer, on finira dans ces camps d'esclavage avant d'avoir pu dire ouf. Sortez de là! Montrez que vous n'êtes pas un lâche comme le seigneur d'abondance. Et essayez de ne pas mourir horriblement comme lui. Vous entrerez quand vous aurez prouvé que vous n'êtes pas l'une de ces demi-portions. Sortez de là. Montrez que vous n'êtes pas un lâche comme le seigneur d'abondance. Dans les champs. Saleté d'alphelin. Utilisez votre sort de boule de feu et faites-les griller comme de vulgaires cochons. Ça me plaît.
Maintenant, il faut que je sache utiliser le sort. Bon. Ah bah sur E, simplement. Allez, hop. Non. 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 Non, 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 ça veut pas. Non, pas les bras. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lancer une boule de feu? On a vu, j'ai pas configuré les touches comme il faut. Bon. Finissez, vous. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pourquoi ça ne marche pas? Bon. On va regarder les configurations de touches. J'aurais dû le faire avant, mais enfin bon. Alors, tum tum tum. Évidemment. Ouais, d'accord. C'est pas ici. C'est pas ici. Hop. Voilà, pourtant, le sort de boule de feu est bien sélectionné. On devrait pouvoir le tirer. Hein. Allez, saloperie. Il me jette des pierres. Non mais bon. Où est-ce que c'est? Hop. On va tester toutes les touches. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Non, 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 non. Ah, c'est la touche. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai tapé la touche B, mais enfin bon. Eh ben on va faire griller, hein. Allez les cochonous. De l'alf l'a grillé. Ah ouais, ils ont mal. C'est pratique, pratique. Ah, ils ont lâché des bourses. On va aller les récupérer une fois que ça aura fini de cramer. Voilà. Allez. Ouais. Des armes. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Une patrouille. Avec un peu de choses, ils vont aller. Ouais, s'ils vont jamais là. Oh oui. Non, tu crois? Non, j'ai raté. Merde. Ça m'a pris. Voilà. Je crois qu'il y en avait caché dans les herbes. Ah non, c'est un mouton. Ouais, voilà. On s'en débarrasse facilement. Magnifique. Un équipement, là aussi. Par contre, cela. Non, revenez, 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 revenez. Ouais, bah, écoutez. Il n'y a pas le choix, là. Oh, ça va. Ils n'ont pas fait long feu. Ils n'auront pas fait long feu. C'est pas un jeu de mots. Bon. Quand je n'ai plus assez d'énergie pour faire de sort, de toute façon. Donc, il faudra que les bras aillent nettoyer la zone. Mais d'abord, hop, on va casser ceci. Allez, il reste. Voilà, c'est bien. On peut le voir en dessous de... Juste ici, en dessous de... Allez, de l'icône de l'arbre. En fait, il y a leur puissance au combat qui s'affiche. Et à chaque fois qu'ils trouvent de l'équipement, leur puissance au combat augmente. Donc ici, je crois qu'ils sont à 130%. C'est pas mal du tout. Encore une chose. Seigneur, le fait de tuer des innocents et sur très grande quantité augmente votre niveau de corruption. Cela permet à votre énergie maléfique de rendre vos sorts plus puissants. Néanmoins, ce n'est pas très adapté pour des objectifs maléfiques sur le long terme. Ça nécessite des personnes vivantes. Le bonheur vient de la gratitude. Ah, vous nous avez sauvés. Ces alphelins ne toucheront pas à nos reculs. Le village d'abondance est toujours libre, mais certains de nos frères sont retenus dans le camp sur la route. Quand ce alphelin de Melvin Groby est revenu de sa... Moi je dirais qu'on va les massacrer. Il a appelé un héros. C'est là que les choses se sont gâtées. Voilà, tiens. L'alphelin t'aura pas touché, mon moi bien.
Mais choper de... Oh. Mais revenez, est-ce que... Ouais, par là, il y a des alphelins. Ah, putain. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, mais... Non, à chaque fois, ils se barrent. Non, sérieux. Je l'aurai tout ou tard. T'as de la chance que j'ai plus d'énergie pour faire des sorts. Autrement, je t'aurais bien grillé. Bon. Alors, ici. Je dois me méfier des alphelins qui sont là-haut dans le petit fortel. Parce qu'à mon avis, ceux-là, ils jettent des pierres. Bon. De toute façon, on va pas avoir transformé le choix. On va repasser par ici en bas. Il s'agit d'un puits de sang, Seigneur. Vous pouvez sacrifier vos larbins pour retrouver de la santé. Vos larbins seront heureux de mourir pour vous. Ils sont très loyaux. Bon, tant que maintenant, j'en ai pas besoin. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par ici? Alors, hein. Raccourci qui donne... Qui donne, je ne sais pas trop. À l'arrière, non. Ouais, parfait. Parfait, je n'aurais pas besoin de me retaper tout le chemin. Ouais, ok. Bon, maintenant, on va aller voir un peu plus loin. Le puits de mana. Ah. Je n'en ai pas vu depuis des années. En y sacrifiant des larves. Vous pourrez rétablir votre mana. Bah disons que... Ouais. On en voyait un, voir ce que ça fait. Ouais, ça me... Ouais, deux. Voilà. On pourra sacrifier plus que... J'ai quand même pas des masses de boules d'énergie pour les réinvoquer, donc... Pour le moment, je vais conserver... au maximum. Bon, je vais reprendre l'arbin. Ouais, je peux encore en invoquer 22. Ouais. Je vais faire avec ça pour le moment. On verra bien par après si ça vaut la peine de sacrifier d'autres larbins ou pas. Bon, à mon avis, on va retourner en arrière. Parce que par là, je sais pas trop ce qu'il y a. Ouais, quoique, à continuer ici, on ira faire le petit campement après. Par ici, il n'y a que dalle. Ah ouais, d'accord. Ça mène ici, mais... Tant que j'ai pas les bleus, je ne saurais quand même pas récupérer l'objet. Bon, ça va y retourner en arrière, et on va aller nettoyer le corps des alphelins. Enfin, le premier corps des alphelins, en tout cas. Ouais, c'était par là. Ah, il y a un portail ici. Ouais, ok. Bon, maintenant... Ce doit être le camp dont parlaient ces paysans. Prudence, Seigneur. Oh, ouais. Maintenant, si... Je les envoie là, ça attire les autres, je ne crois pas. Ouais. Tant pis. On va sacrer ceux-là. Tant que maintenant je n'avais pas encore perdu. Ah voilà. Il y en a un qui meurt. Bah tant pis. J'ai pas de bleu pour pouvoir le soigner donc. Ouais, je n'avais plus que 9. Bon, c'est rien. Voilà. La faire récupérer ici au-dessus. Et tant qu'on y est. Je vais quand même en reprendre un. Voilà. Alors sur la droite, il y a encore des alphelins. Ouais, tant qu'on y est. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix là. Ah, je dois me salir les mains. Assurez-vous d'avoir votre compte de larbin, Seigneur.
Les alphelins sont petits, mais regardez, Seigneur, une roue. Vos larbins peuvent la faire. Une roue, voilà. Qui sait ce qu'elle peut déclencher? On ira chercher après, il y a des coffres ici, te permet, ouais. Des potions bleues, des potions de mana. Donc au final j'aurais sacrifié ouais des larbins pour rien. Mais tant pis. Là il y a encore un objet, non? Non. J'entends des créatures inférieures. Ouais, les moutons bah. Hop. Ça va faire de l'énergie, parfait. Hop. Ouais, ah, il reste à choper là. Il reste une arme. Allez vous équiper à bas de boule. Non mais. Nom de Dieu. Ah voilà. Il y en a fait un. Enfin quand même 1 sur 10 il a compris qu'il devait prendre l'arme. C'est pas mal, hein. Ils sont super intelligents. Allez. On ouvre la porte. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà, ça fait. Plat de cadavre. Yeah. Ah, le code esclavage. Mais tout ça ne me dit toujours pas où est la grue. Bon, enfin bon, tant qu'on y est. On va quand même nettoyer cette zone-ci. Et peut-être qu'au bout on trouvera la grue. Bon, il n'y a rien. On va dire le feu à son côté, ok. La stone humaine. Voilà. J'ai des durillons, mais si belles mains. Ouais, bientôt t'auras plus de mains. Hein. Regarde. Ah non, à plus de mains. Voilà. Approchez. Ouais, ils ont pas envie. Ouais, ils n'ont pas envie d'approcher. Voilà. Ouais, je ne fais pas trop avancer, mais l'arbre est là-haut. Voilà. Voilà pourquoi. Encore plein de gardes dans le fond là. S'il vient à trop d'un coup, je risque de perdre beaucoup de larbins. Non, 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 revenez, revenez, revenez. Mais qu'est-ce qu'il fait là tout seul lui? Il a pas compris. Oh, il y en a. Ah, voilà. Ouais, les contrôles des larbins, c'est pas encore ça. Voilà, allez, massacrer-les. Hop, voilà. Fait. Voilà. Bon, maintenant je me prévoyais que vous récupériez ces armes là. Non, ils comprennent pas, il n'y a rien à faire. Ouais. À mon avis, une fois que je les rappelle et qu'ils n'ont pas le temps de ramasser des armes, après je crois qu'ils les oublient ou un truc comme ça. Bon, là où il y en a qui tirent, donc on va passer par le côté, hop, et on va les massacrer celui-là. Allez, tu es là. Ouais, encore là. Ah, d'accord. Je vais en envoyer 3 là. Voilà. Bon, maintenant ça, ouais, c'est bon. Ce côté-ci est presque nettoyé. Quelques larbins là, voilà, et le reste va aller éliminer cela. Ah bah, ils ont été rapides, parfait. Ah, casser les caisses, on sait jamais ce qu'on peut trouver dedans. Ouais, et pas grand chose. Les caisses ici, on trouve l'équipement dedans, peut-être, ou de l'or. Ouais, ils n'ont pas pris l'équipement. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, ici.
Il y en a là-haut. Là. On a voyé quelques-uns là-haut. Non. Finir par se faire tuer. Choper celui-là, allez. Hop. Bien, ouais. Bon, on ne supporte pas les Ovatos. Voilà, bien. Ah, ils m'ont ramené une potion de soie, ça c'est bien aussi. Il y a encore de l'équipement, les gars. Allez, ramasser. Allez. Non, ils n'en veulent pas. Alors, ici derrière, il y a une roue. Ouais, je n'y ai pas encore accès. Ouais, à mon avis. Ça c'est pour libérer ce pays là. Il y a un prisonnier par là-bas, mais une espèce de gros troll monte la garde. Oh. Allez, libérez-nous. Voilà, massacrez-vous, allez. Pourquoi mourir quand d'autres veulent le faire pour vous? On va les aider un petit peu. La peur et le respect peuvent s'améliorer. Voilà. Seigneur. Celui-là, je vais pas les tuer. Vu qu'il y a un troll, ils serviront de chair à canon. J'aimerais bien accéder ici derrière. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, apparemment, c'est par l'autre côté, donc ouais, je dois refaire le tour. Donc, j'ai pas le choix, on va devoir passer par le troll. Et à mon avis, un troll, c'est une autre paire de manches que des alphelins. Bon, ceux-là, on va les éliminer. Vite fait, bien fait. Voilà. Bien. Bien. Ouais, un hôtel pour me soigner. Je n'en ai pas besoin. Ouais, l'équipement parfait. Bon, je suis toujours full larbel, hein. J'en ai toujours 10. Bon. Alors là il y a une roue. Ouais, le troll. Eh, ah ben, il est libre maintenant. Ouais. Il est bien dégueu. Bon. On va laisser faire les humains. Hein. Tant qu'on y est. Contre là, il y a une roue qui m'intéresse. Ce troll a mangé mon frère. Ouais. On va choper les trois gardes là. Voilà, on va envoyer l'arbalète tourner la roue. Allez, grouillez-vous. Non, revenez. Je veux pas mourir en cage. Tuez-le. J'ai pas envie de le tuer. Quoique. Quoique. Alors, revenez vite. Ce troll a mangé mon frère. Ouais, ils ont bien fait de revenir. Bon, ça va, il est presque mort. Un mort encore. Ce coup-ci, ouais, ça va, il est mort. Au revoir. Il n'était pas si dur que ça. Non. Bon, il reste plein d'humains. On va les libérer. Ah non, c'est pas les libérer, tiens. Merde. J'aurais cru que ça les aurait libérés. Sortez-nous de là. Oh, j'ai pas envie de rester là. Par où dois-je aller pour les libérer? Non, oh, un coffre. On va toujours prendre. Là, il y a des caisses. De l'or, 397 pièces d'or. Ça va, ça monte. Par contre, comment fait-on pour ouvrir cette porte? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Il va y avoir un système. On a vu, je suis passé à côté de quelque chose sans le voir. Ah, là-haut! C'était là-haut! Si j'ai bien vu, c'est ici au-dessus. Ouais.
Bon. Notre libérateur. Ouais, attends, hey, pas pour longtemps. Ne nous sert plus à rien. Ah ben. Prenez-la. Eh bien, c'était la nôtre, maudite créature. Ben voilà la grue, enfin. Vite, seigneur, que vos larmes la portent au point de passage. Ouais, on envoyait ça avec faire ça. Voilà. Oh bah le poids de passage n'était pas loin du tout. Donc on a accompli notre objectif. On a enfin la grue. Bien. Bon maintenant, le prochain objectif c'est visiter les villages d'abondance. Bon d'abord on va ouvrir ici. Je ne sais. Ouais, c'était mon objectif aussi pour aller à Abondance, donc si je ne sais pas si je les tue, s'ils me laisseront rentrer dans le village. Allez, direction Abondance. Ouais, non. Ils sont beaucoup, mais bon, ils n'attaquent pas tous en même temps, donc ça devrait aller. Ouais, les autres l'or. Ouais, c'est bon. À choper des. Ouais, il y a une partie qui va. Qui se barre là. On va pas les laisser partir comme ça, les refnés. Voilà. Voilà. 20 paysans. Magnifique. Ici il y a plein d'équipements à terre, mais apparemment ça ne plaît pas mes larbins, donc bon, ceux-là, donc on y est, on va pas laisser de témoins, ce hein. Serait stupide. Voilà, parfait. Eh ben on va retourner au village d'abondance, voir s'ils nous laissent rentrer maintenant que j'ai massacré tout le monde. En même temps, vu qu'il n'y a pas de survivants, il ne devrait pas le savoir. Mais vu qu'il n'y a pas de survivants, logiquement, je devrais avoir fait échouer la mission. Ah, c'est vrai qu'ici derrière, j'ai pas été. Ah, ça, ça m'intéresse qu'il y a plein de coffres et tout ça. Ouais, je vais voir si je sais pas contourner ça avant de retourner au village. Je ne crois pas. Quoique. Bon. On va tester. Mais si. Que suis-je bête? Bon bah. Donc on y est. On va piller ici. Ceux-là, on va les éliminer. Ah, il y en a plein qui dorment. Merde. J'aurais dû attaquer ceux qui dorment en premier. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Totalement. J'en étais sûr qu'ils avaient tué. Ils étaient à 4 ou 5 dessus. Donc. Ah, j'ai fait une erreur. Une erreur. Oh, c'est rien. On reprendra de l'arbre. Hein. Encore un qui dort. Là. Celui-là se réveillera pas. Eh non. Alors ici, le chariot. On va tout casser. Hein. Allez, arbre. Vous avez du boulot là. Foutez-moi le bon. Non, toi, je t'ai pas demandé de tourner la roue. C'est bien gentil, mais enfin bon. Ah, c'est rien. Allez. Tourne là si ça t'amuse. Ah, ils n'ont plus envie de s'équiper, c'est bon. Ah bah. Allez, tournez la roue. Hop. Ouais, ça donne, ouais, ça va, d'accord. C'est un petit raccourci. Bon, bien. Donc, la première mission est faite. On a la grue. On va pouvoir faire réparer la tour. Certainement aménager de nouvelles salles et tout ça. Ah, par contre, là, il y avait des tonneaux. Je ne les ai pas vus. Allez, chopez-moi ces tonneaux-là.
Ouais, de l'or. Allez, reste à tonneau là. Personne ne m'a ramené. Ah, c'est. J'allais dire que personne ne m'a ramené d'or, mais. Il faut toujours les tenir à l'œil. Donc, le corps des esclaves est nettoyé. Les esclaves ont été libérés. Définitivement. À mon avis, je me demande si ça va repopper en fait. Si je reviens par ici, par après, si ça repop. Il y a de fortes chances. Oh, des paysans. Oh, ils sont gentils. Tiens, un massacre là. Vas-y, n'hésite pas. Celui-là aussi, il s'enfuit pas, bien. Voilà. Oh. Bon, à mon avis, ça repop parce que. Ici, c'est sous là, je les avais cassés donc. Peut-être que tout ne repop pas, mais au moins une partie. Alors. Poum, poum. Non, pareil, si je ne sais pas passer maintenant. On avisera par après quand j'aurai fait le tour. Bon, on va aller trouver le village. Voir s'ils acceptent de nous faire rentrer. S'ils nous laissent rentrer, à mon avis, il foutra le souk. On va foutre le boxon. Hein. Oh, elles sont ouvertes. Oh. Oh. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt? Que vous vouliez pas me laisser rentrer? Vous auriez dû. Allez. Massacre. Oh, des caisses, allez, on va tout éclater. Mon avis, je vais faire un village fantôme, tiens. Oh, ça fait vraiment plaisir de voir des gens s'amuser pour une fois. Ils sont vraiment chauds, n'est-ce pas? T'imagines pas à quel point. Chez moi, on m'appelle Archibald Damius Mathusalem Brinkballé, troisième du nom. Mais les gens d'ici m'appellent simplement Archie. Et moi, je vais t'appeler Roti. Les temps sont très durs. Les alphelins ont pillé la plupart des fermes, et tout le monde déboule à abondance. Et vient frapper à ma porte. Ils m'ont élu maire. J'ai bien de quoi leur offrir à boire, mais rien à manger. J'ai absolument besoin de valeureux chevaliers pour reprendre les vivres que les alphelins nous ont volés. Leur village est à l'est. Je suis sûr qu'elles sont conservées là-bas. Remplissez notre estomac et vous vous remplirez les poches, si vous voyez ce que je veux dire. De la nourriture coûte de l'or. Ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, je viens vous présenter mes salutations. Allez, massacrer les tous. Allez, on y va. Non à l'oppression. On ne m'aime plus. Oh. Une révolte. On va mater une révolte, aussi. Oh. Voilà. Allez. Ne m'aime plus, c'est quoi cette histoire? Chopez-le! Ah, haï, c'est beaucoup mieux que détester, non? Je pourrais parier un fût de pierre que nos vivres non. sont dans le village alphelin à l'est. Bon, d'abord, Archibald, il n'y a pas moyen. Ah, c'est. Archibald, oh, ça fait mal, ouais. Bon, tout nos auberges, t'en as plus besoin, non? On va la piller, hein. Ouais, il n'y avait rien dedans apparemment. On saurait avoir tout cassé, tout nettoyé, tout tué. Voilà. Hop. Voilà. On est encore survivant là.
Hop, là, de l'énergie, personne la récolte, non? Ils ont fouté. Ouais. Bon, ici le chaud, bah. J'aime pas les chauds. Voilà, ils rentrent dans la maison, ils cassent tous, parfait. C'est parfait. Bon, il y a encore survivant, bah. Donc on dit on va la massacrer. Hop, il y a encore eux qui se... Ah, il se cache celui-là. Voilà. Voilà. Hop. Parfait. Il y a des caisses, faut tout casser. Donc maintenant je vais laisser la porte fermée. Je vais massacrer à mon aise le village et après on ira ouvrir la porte. Cours pas toi. Un petit peu ici. Voilà, c'est bien. On va massacrer ceux-là. On ne récupère même pas l'énergie. Hein. Bon, on va aller par là. Ouais. Bah, donc cette maison là est rasée. Enfin, pillée plutôt. Bah, on va faire celle-ci. Allez, l'arbre a cassé tout, pillé tout. Voilà, c'est bien. Donc à chaque fois que j'ai pillé une maison, il y a de la fumée qui en sort. Hop, le pêcheur. Hop, au revoir le pêcheur. Il n'y a plus de pêcheur. De fût. Voilà, on casse tout. Les femmes, allez, on s'en fout, on y va. Fais pas de distinction, hein. On ne pourra pas dire que l'Overlord est un sexiste. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Oh, c'est rentré par là. Oh, elle est cassée, là. Là, là, là. Elle est cassée, 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 cassée. Ah, d'accord. Ça vaut la peine de piller les maisons. Le château d'abondance est assiégé. Il est en train de brûler. Les démons sont arrivés de nulle part. La dame nous a dit de courir. J'ai couru sans me retourner, même quand j'ai entendu les cris. Je sais pas s'il y a d'autres survivants. Bah, de toute façon, même si on a, quand je serais passé par là, il y en aura plus. Hein. Ah, bah, c'est vrai, je vais y aller, t'inquiète pas. Ah, c'est une qui a découvert qui est cette femme mystérieuse. Bon, on verra bien. Encore de l'or. Bon, on va casser sa maison ici, allez. Ah, il y a des caisses. Allez les enfants, allez. Voilà. Ah, des marchands de viande de rein. J'aime pas ça. Voilà. Éliminer celui-là. Voilà. Donc ici c'est... J'entends des bruits de train. Ah ouais, on ne sait pas ouvrir, non. On ne sait pas les leur ouvrir, dommage. Dommage, dommage. Bon. Ça va, le village commence à être bien, là. Il est mieux maintenant que tantôt, je trouve. Ouais, ça sert à rien de supplier. Oh, des boutons.
va massacrer les moutons. On va massacrer le berger tant qu'on y est aussi. De toute façon, il a plus de travail, le pauvre. Voilà, la maison, on va la casser. Voilà, pied. Pillon, 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 pillon. Ah, une boule d'énergie qu'ils ont oublié là-bas. Hop. Et celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait de l'arbel. Il reste à Bayou Corneille. Voilà, comme boule d'énergie, ramasser. Oh, deux. Ça, je n'avais pas fait attention qu'il y avait deux tonneaux là. Est-ce que ceci, on saurait les casser par hasard? Ouais. Gagné. Voilà, bien. Bien, 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 bien. Bon, terminé de casser ici. Voilà, et le reste dans la maison. Le chariot, non, vous avez pas envie. Ah, voilà. Voilà, parfait. Il suffit de demander. Bon, on va accélérer le mouvement. Allez-y, les gars. On détruit tout. Allez, 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 on ne chipote pas. Voilà, parfait. Une potion de soin. Alors, par ici. On va donner un jardin. Allez, choper-les. Hop. Et là aussi. Il me semble... Ce sont les seuls champs que nous avons réussi à préserver des alphelins. Mais il faudra des mois avant la récolte. Nous serons déjà morts de faim. Il y a encore des patrouilles de alphelins. Nous les avons vus se rendre dans cet atelier. Ils doivent y garder quelque chose. Ouais, un objet de tour, ouais. Le haut fourneau. Bon, il me semble qu'Abondance se souviendra de notre visite. Il n'aurait jamais dû ouvrir la porte. Regarde, hop, tu, celui-là aussi. On va mater la rébellion. Hein. Allez, tuez-le. Ouais, l'énergie, personne ne veut l'apprendre, je sais pas. Enfin, même pas moi de le faire. Hein. Voilà. Ouais, ici, il n'y a que dalle. Encore une boule d'énergie. Ils se sont vraiment têtus. Ils ne veulent pas ramasser d'eux-mêmes. Bon, en fait, j'ai bien fait de finir ici. Est-ce que il y a plein de trucs à récupérer. Mon or est en train de monter en flèche. Donc ça, c'est parfait. Oh, une femme. Hop. Voilà. Là, il y a plein de trucs à casser. Allez-y. On ne chipote pas. Ils sont en train de dire qu'ils crèvent de faim, qu'ils n'ont rien à manger. Il y a des champs de citrouilles. Ils se foutraient pas un peu de moi là. Ou à moins qu'ils aient quelque chose contre les citrouilles peut-être. Ici au-dessus, il y a des... Ouais, il y a des fûts, enfin des tonneaux. On va aller par là pour les prendre. Une maison pillée, hop. Voilà. Évidemment, je me suis trompé, j'ai fait partir de l'arbre, je les reprends. Ils veulent vraiment pas récupérer l'énergie. Ah là, il y en a qui sont enfouis. On va le laisser courir. Hein. Ça n'ira quand même pas fort fort loin. Allez plus vite l'arbre. Bon bien. Là, je crois que j'ai fait le tour du village. Ouais, j'ai fait le tour du village, je confirme. Dommage que je ne sais pas brûler l'auberge. Ça m'aurait plu. Par contre, il y a quand même un survivant et celui-là, ça ne me plaît pas. Où te caches-tu ?
Mon avis, mes larbins l'auraient bien tué. Ah, encore là-haut. Ah, pas une bonne cachette là. Non. Allez, chopez-le. Bien. Mais ne récupère pas sa boule d'énergie. Alors, par ici. Non, il n'y a rien, je suis déjà passé, ok. Ben, il me semble que j'ai fait le tour. Donc, ce que nous allons faire, on va retourner à la tour, voir ce que la grue nous permet de faire, en fait. Ah, une femme. On va tuer la femme, parce que voilà. Voilà. Vous avez tué des femmes, espèce de phallocrate. Hein, apparemment j'ai débloqué un succès. Donc c'est pas mal. Je sais pas ce que ça veut dire phallocrate. Il faudrait que j'aille voir dans le dico, tiens. Hein. Donc on va retourner donc à notre tour. Voir ce que la grue nous permet de faire, comme je l'ai dit. Et après, je crois qu'on se laissera là pour aujourd'hui. On va d'abord aller voir ce qui se passe à la tour. Bon. Bon, on va renvoyer les larves dans leur puits, car je ne sais pas que si on quitte la zone, en fait. Je ne sais pas si on quitte la zone et que les larves, ce jour-là, s'ils ne meurent pas. Donc, par acquis de conscience, on va toujours les rentrer dans leur ordre. Et on se téléporte à la tour. On va voir ce que ça a débloqué. Et après, on verra bien quelle quête on accomplira. À mon avis, on ira d'abord chercher la nourriture. Je ne suis pas sûr qu'on ne la garde pas pour nous. Ah, ils sont en plein travaux, là. Il me semble qu'ils sont parfois fort doués non plus. Avec cette grue, nous allons pouvoir reconstruire votre tour, Seigneur. La grue n'est qu'un outil. Vos larbins ouvrent les oubliettes. Allez voir, c'est tellement reposant. Là-dedans, vous pouvez y affronter presque n'importe qui, si vous l'avez déjà battu une fois. Ouais, ça pourrait être marrant. Mais on ira voir ça une prochaine fois. Eh ben, on va arrêter ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un pouce vert, un petit commentaire. À la prochaine. Ciao, ciao.